Je m'appelle Gabriel et donc je vis pas très loin, je vis au des Pyrénées, j'ai 14 ans et donc j'aime beaucoup la musique. J'écoute beaucoup de musique. Pour ce qui est des études, ça m'intéresserait de faire du cinéma ou des trucs comme ça. Mais... Je suis allé à la Gaîté Lyrique et donc c'était pour le Pitchfork Music Festival. Donc c'est un festival de musique qui prend lieu tous les ans, donc dans plusieurs villes, et donc à Paris la plupart du temps ça se fait à la Gaîté Lyrique. Et donc c'est des groupes assez indépendants et souvent des trucs un peu obscurs, mais et la salle était très sympa. Donc il y a eu donc deux premières parties. Donc il y avait un groupe qui s'appelait O, et le deuxième c'était Dead Letter, je crois. O c'était donc c'était un duo, donc il y avait une fille qui était à la batterie et il y avait un type au saxophone, et donc il avait un sampleur et il jouait un peu avec son saxophone et c'était vachement bien. Et donc le deuxième, Dead Letter, c'était du rock indépendant anglais. C'était sympathique, quoi. C'était vraiment bien. Non, il y avait un troisième après, du coup. La tête d'affiche, c'était Black Country New Road, qui est un groupe de post-punk anglais. C'était vraiment sympa, ouais. C'était mon premier vrai concert. J'étais allé voir 2-3 trucs un peu de temps en temps, mais j'avais jamais vraiment fait un vrai truc, quoi. C'était assez sympa. Bah, l'ambiance était vraiment bien. C'était assez agréable. La salle était bien, donc... Et même il y a eu un petit temps de pause où il y avait un bar et on s'est arrêté. C'était vraiment sympa, c'était agréable. Il y avait un peu de tout. Il y avait même un public un peu étranger, il y avait des Anglais beaucoup. Et c'était des jeunes de 20-30 ans à peu près. Voilà. Le deuxième pour le coup, oui, c'était vraiment du rock. Et donc pour Black Country New Road, c'est plus c'est du post-punk. Et donc c'est un genre qui a vraiment bien marché dans les années 80 avec des groupes comme Joy Division. Mais donc au bout d'un moment c'est un peu mort. Et donc là récemment il y a eu un peu une espèce de renaissance de ce genre-là en Angleterre avec des groupes comme Black Country New Road ou Black Midi par exemple. Bon, c'est un terme un peu vague, ça veut un peu tout et rien dire. C'est dérivé du punk anglais de l'époque et une version un peu plus... mélodique et un peu plus intéressante, mais après ça veut pas dire grand chose, c'est plus ça. Ce qui était assez intéressant avec les groupes qui sont passés, c'est que il y avait beaucoup d'instruments assez variés, donc notamment avec donc le dernier groupe où il y avait du saxophone, du piano, du violon, de la guitare, et c'est vraiment c'est des sons intéressants et c'est assez impressionnant à voir en concert, et ça peut donner envie d'essayer d'essayer de faire de la musique, quoi. Bah alors donc les deux premiers groupes qui sont passés c'est
des groupes qui venaient un peu de commencer, donc il n'y a pas grand-chose à écouter pour l'instant. Donc je connaissais déjà assez bien Black Country New Road, ils ont sorti 2 albums, et donc ils en sortent un troisième, et ça a l'air vachement bien, ouais. J'ai hâte d'écouter ça, et c'est un groupe que j'apprécie beaucoup. Ouais, c'était vraiment agréable, et c'était super comme expérience, et j'ai hâte de refaire ça, ouais. Enfin, ça dépend du groupe, parce que t'as des groupes qui font plus ou moins un show, quoi, mais ça change surtout dans le fait que groupes comme les Rolling Stones, va y avoir une immense salle avec beaucoup de gens, où là, je trouve que c'est vraiment agréable d'être proche de la scène, et puis d'être dans une salle qui n'est pas si grande que ça. Je trouve que c'est un peu plus agréable. Bah, ce que je suis allé voir, ça peut un peu plaire à tout le monde, parce que il y a des inspirations qui sont assez variées. Donc ça, des fois ça prend dans du rock des années 80, et des fois ça prend des inspirations plus dans du classique ou des choses comme ça. Donc je pense que ça peut plaire quand même à beaucoup de gens. Et encore une fois, après le rock, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est un genre qui peut plaire à beaucoup de gens, je trouve. Ouais. Mon groupe préféré, je dirais Radiohead, mais ça peut changer. plus musique alternative, enfin bon, ça veut pas dire grand chose encore une fois, mais tout ce qui est, oui, truc indépendant, oui. Tout concert, ça peut être considéré comme de la culture. Enfin, forcément, j'étais un peu excité parce que ça a commencé, et puis c'est. Après, quand ils ont commencé à jouer, c'était. Quand t'as la musique qui commence, c'est forcément, ça fait toujours quelque chose, et je trouve que même l'expérience à travers le concert, elle était vraiment, vraiment agréable, et c'était très sympa, ouais. Enfin, ouais. Le truc, il y avait un moment où il y a tout le monde qui a commencé à sauter, et le sol qui a commencé à vibrer, c'était assez impressionnant, c'était sympa, ouais. I found